Comment relier une carte Arduino à notre ordinateur? C'est très simple. La carte Arduino, vous en voyez une ici non installée, la carte Arduino est sur notre maquette protégée à l'intérieur de ce boîtier en plastique. Vous pouvez constater que nous avons rajouté un shield Grove par-dessus cette carte Arduino. Je rappelle que ce shield Grove permet de rajouter des fonctionnalités à notre carte. Et notamment dans le cas présent, eh bien ce shield Grove permet de raccorder rapidement et sans soudure divers composants tels que des capteurs et également des actionneurs. Alors comment raccorder, comment relier notre carte Arduino à notre ordinateur? C'est très simple. La carte est équipée d'un port USB. Port USB que vous pouvez voir ressortir du boîtier de protection, eh bien vous n'avez qu'à simplement le relier par le biais d'un câble USB. Attention, il y a un sens précis pour insérer le câble. Insérez le câble sans forcer. Puis, dans un deuxième temps, vous n'avez plus qu'à insérer l'autre extrémité du câble USB sur un port USB situé sur la face avant de votre unité centrale. Vous venez de connecter votre maquette à l'unité centrale de votre ordinateur via un câble USB. Voyons maintenant comment programmer cette maquette. Et pour ce faire, eh bien, nous allons utiliser le logiciel mBlock 5. Pour ouvrir ce logiciel, rendez-vous dans le dossier Techno présent sur le bureau de l'ordinateur, puis sélectionnez le logiciel mBlock 5. À l'ouverture du logiciel, si celui-ci n'est pas en français, rendez-vous sur l'icône en forme de petite planète Terre, puis sélectionnez la langue française. Voilà, nous allons maintenant devoir ajouter si nécessaire un appareil à piloter par le logiciel mBlock. Pour ce faire, cliquez sur le bouton Ajouter, puis sélectionnez la carte Arduino Uno, puis vous validez sur OK. Afin de rendre plus performant le pilotage de cette carte Arduino, nous allons rajouter une extension. Pour ce faire, cliquez sur le bouton Extension. Puis vous choisirez l'extension TS Uno et Grove et vous cliquerez sur Ajouter. Dernière étape enfin, eh bien nous allons maintenant connecter le logiciel mBlock à la maquette possédant une carte Arduino. Et pour ce faire, nous allons cliquer sur le bouton Connecter. Vous n'avez plus ensuite qu'à sélectionner le port de communication sur lequel est branchée la carte Arduino. Je vous invite à toujours sélectionner le port COM le plus haut. Dans cet exemple, j'ai le choix entre COM3 et COM4. Je choisis donc COM4. Et je connecte. Et voilà, la maquette est maintenant connectée au logiciel mBlock. Je vais donc pouvoir réaliser un algorithme, réaliser un programme. Alors pour ce faire, j'ai toute une liste de menus sur ma gauche. Voici un petit exemple de programme que vous pourrez rapidement réaliser sur votre ordinateur. Et voilà, mon algorithme est maintenant terminé. Alors pour l'envoyer dans la carte Arduino présente sur la maquette, eh bien c'est assez simple. Je vais tout simplement cliquer sur Télécharger.
Donc le programme est en train d'être compilé. Lorsqu'il sera prêt, je vais pouvoir apercevoir sur la barre de progression du téléchargement, eh bien, le téléversement qui est en train de se produire. Voilà, c'est le cas. Le téléversement est terminé. Je peux maintenant tester directement le résultat du programme que je viens d'envoyer dans la carte Arduino, et eh bien tester son résultat sur la maquette. Alors pour information, dans la maquette, lorsque l'on clique sur télécharger pour téléverser le programme, et eh bien ce n'est pas réellement cet algorithme qu'on envoie dans la carte Arduino, car elle ne comprendrait pas ce langage graphique. Ce langage graphique qui est donc assez simple de compréhension pour nous, mais la carte Arduino ne le comprend pas. Lorsque vous cliquez sur téléverser, en fait, et eh bien c'est la traduction de cet algorithme sous la forme d'un programme en ligne de code que voici. C'est donc cette traduction sous la forme d'un programme sous forme de ligne de code en langage C++, et eh bien c'est ceci que vous envoyez dans la carte Arduino, donc lorsque vous cliquez sur télécharger.